Sab et moi, on est à Zurich en ce moment. On va marcher de Noël à Vienne et on a décidé d'y aller en train. Donc c'est pour ça qu'on se trouve à la gare de Zurich. On a passion de voir à quoi ça ressemble car moi j'ai personnellement jamais pris de train de nuit. Donc j'ai un peu une appréhension. Et oui, car on va le prendre de nuit. Ben voilà, ben on se réjouit qu'il arrive et puis de vous montrer tout ça. On a un petit lavabo, on a une petite table et puis les deux lits. Les toilettes sont par contre dans le wagon en fait, on n'a pas nos toilettes privées. Et c'est assez grand je trouve. Enfin... Bah, c'est bien assez grand pour le voyage qu'on va faire. En fait dans ces trains de nuit il y avait plusieurs possibilités de réserver. Par exemple la possibilité de réserver un siège. Et là il faut compter entre 30 et 45 euros. Vous avez la possibilité de réserver des couchettes. Donc là en fait vous avez un lit mais vous êtes dans un compartiment avec 4 ou 6 personnes. Ou vous avez la possibilité de réserver des cabines. Donc là c'est ce qu'on a réservé en fait. Les couchettes c'est entre 60 et 70 euros je dirais. Et les cabines c'est à partir de 100 euros. Les cabines, vous avez deux sortes de cabines. Vous avez les cabines avec des lits et une table. Et puis vous avez les cabines également avec une salle de douche et vos propres toilettes. Donc là, il faut compter 150 euros. Donc nous, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Donc on a pris un peu, on a pris un compartiment qui nous permettait quand même de bien dormir cette nuit. Parce que demain, il y a un marché de Noël qui nous attend. On sera toute la journée dehors, toute la journée debout. Donc on voulait quand même bien dormir, c'est pour ça que les couchettes, vu qu'on est que deux, on avait peur d'être dérangé par des autres personnes. Donc on s'est dit les cabines c'est un bon choix, une belle alternative. Après effectivement c'est vraiment le genre de cabine où vous êtes là pour dormir, en fait il n'y a pas la place de s'asseoir. Contrairement aux cabines de luxe, où vous avez les toilettes, où là en fait vous avez également des sièges, des chaises dans la cabine. Et l'avion? Et en fait on n'a pas pris l'avion. Parce que... C'est une bonne expérience. C'était une bonne expérience de prendre le train de nuit, on n'avait jamais pris. Et puis on a le sentiment de gagner du temps. Au lieu de partir tôt le matin et puis d'arriver à 11h midi à Vienne, on va arriver à 8h le matin. Donc je ne sais pas si vous avez déjà utilisé ce moyen de transport, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que... Commentaire en bas. Commentaire en bas, est-ce que vous pensez que... Les compagnies ferroviaires devraient développer ce genre de trajet ou pas du tout? Moi je pense que vraiment c'est une belle alternative. Voilà, donc finalement c'est même mieux que l'avion hein, finalement. Après on passe plus de temps forcément dans un train que dans un avion hein. On en a quand même pour 10 heures de trajet, mais c'est 10 heures où on dort la nuit, quoi. Ouais. N'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous en pensez de ce genre de trajet.
on est arrivé à la gare de Vienne. Et là, on est en train de chercher notre hôtel. Qui devrait se trouver à peu près 10 minutes. Donc, allons-y. D'arriver à l'hôtel. Comment était la nuit dans le train? Bah c'était pas mal, c'est mieux qu'un bus quand même. J'avais déjà pris un bus de nuit et c'est vrai que on est mal assis, les gens font du bruit, donc là comme on avait notre petite cabine fermée, c'est vrai qu'au niveau du bruit, voilà, le train fait quand même pas mal de bruit, il y avait pas mal de ventilation. Par contre il y a quand même pas mal de secousses. C'est vrai que par moment, moi ça m'a un peu réveillée. J'ai peut-être dormi sur les 10 heures de voyage, j'ai peut-être dormi 4-5 heures. Il y a par moment, j'avais du mal de me redormir. Il y avait justement la ventilation qui faisait un bruit, un souffle assez fort. Et puis sinon, Sab, toi, t'as bien dormi? Hello. Oui, alors moi franchement j'ai hyper bien dormi, je me suis réveillée vers 3h, après j'ai pu me rendormir. En fait j'ai l'impression que j'ai passé qu'une heure, que j'ai passé qu'une heure dans le train, alors que pas du tout. Et ce qui est top c'est qu'on se réveille à 8h le matin et voilà, on est déjà en ville. Un deuxième avantage aussi c'est les valises au final, parce qu'on pourra prendre ce qu'on veut, on n'a pas de restrictions. Ouais, on n'a pas de restriction de nos valises au niveau du poids. Ouais. Juste pouvoir la soulever quoi jusque dans le train. Exactement, c'est ça. On a déjà pu prendre la chambre d'hôtel, elle était déjà prête. Donc on va vous la faire visiter. Et après on va se diriger au marché de Noël. Yeah!
Sap, comment tu as trouvé ce marché de Noël? Je l'ai trouvé incroyable, féerique, au bord, il y a tout un emplacement, des endroits magnifiques, vers des bâtiments. Non, c'est vrai qu'il y a pas mal de marchés de Noël qui sont dispersés un peu dans toute la ville. Et c'est vrai que c'est une ville qui a l'air assez classique en fait, avec des bâtiments de l'ancien temps. Là, on se dirige au marché de Noël près de notre hôtel qui se situe à Belvédère. Qui se situe à Belvédère. Et ensuite, on va trouver un petit restaurant. On se retrouve pour notre deuxième jour à Vienne. Le programme d'aujourd'hui, c'est d'aller déjeuner. Ensuite, de faire encore quelques marchés de Noël, d'aller visiter le Schloss à Belvédère, c'est ça? C'est ça. Et ensuite, on verra le temps qui nous reste, peut-être encore un peu de shopping. Et puis ce soir, on reprend le train pour rentrer en Suisse. Le train de nuit, bien évidemment. Ready? Allons déjeuner! Allons déjeuner! Thank you.
place. Thérésium. Maria Thérésia. Maria Thérésia. C'est parti. Of the tower. We're going with a velocity of 6 meters per second, that is 22 kilometers per hour. And we will arrive now at an altitude of 150 meters. Strudel. Moi le chasseur tortais. Alors on va vous montrer ce qu'on a un peu acheté au marché de Noël. On a acheté du fromage à l'ail, des chocolats dans une boîte de sardines. Ici, on a trouvé super sympa le concept. En fait, c'est des fruits séchés avec de la cannelle. Et puis après, bah, en fait, vous avez une petite boîte qui vous reste comme souvenir. Ensuite, ici, dans ce sachet, vous avez différentes boules en bois qui ont été imbibées dans des huiles essentielles. Du coup, il y en a une qui sent la vanille, une autre la rose. Vous avez senteur mandarine, mangue. Enfin voilà, il y avait vraiment différentes senteurs. C'était pas mal. Ensuite, ici, on a du chocolat. Et là, on a une spatule en bois. Les prix, ça c'était 5 euros, ça c'était 3 euros la boule, ça c'était 12 euros. Donc ça c'est un petit hérisson en fait, où vous pouvez mettre des cure-dents. Donc toujours sympa pour l'apéritif, hein, ça donne vraiment bien. Le fromage il était environ 12 euros. La boîte de chocolat en sardine, elle était 12 euros. Et puis les chocolats c'était environ 5 euros. Et la spatule, elle était 3 euros. Ensuite, on a acheté dans des magasins parce que bah, les produits sont aussi un peu moins chers et d'une très bonne qualité également. Donc, on a acheté des biscuits. Ensuite, on a acheté de la moutarde. Donc, vous avez de la moutarde sucrée salée qui vient d'Allemagne. Vous pouvez également la retrouver en Allemagne. Spécialité bavaroise.
Ensuite ici, bah, ça c'est une découverte qu'on a fait au restaurant hier soir, de la moutarde aux figues. Et ici on a acheté du sel aromatisé aux herbes. Chocolat qui vient de Vienne. Chocolat de Sissi. Des bonbons au miel. Ensuite d'autres spécialités avec du nougat. Et puis là c'est des petites boules pour le bas. Et là ce qui est inédit, c'est qu'on a trouvé en fait du thé, du winter thé. Également des sachets qu'on peut mettre dans du vin pour faire du vin chaud. Alors là on arrive à Karlplatz pour le dernier marché de Noël. Donc nous on va vous laisser en fait sur ces dernières images. On vous remercie beaucoup de nous avoir suivis pour cette vidéo. Et puis on vous dit à bientôt pour une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos du même type. Merci beaucoup, au revoir. À bientôt. À bientôt.